English, in French. Absolutely. Alors, juste donc Jean lui dit de bonjour. Bonjour. Où est-ce que vous sentez une identité suisse? Pas du tout. Une identité, oui, avec des repères, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ok. Des repères simplement, mais sinon, bon, ben, je suis aussi français, je suis devenu français grâce à la Comédie Française, puisque c'est une société qu'il faut être français pour y exister. Mais pour moi, j'habite à Paris dans un très bel appartement, j'habite à Genève dans un très bel appartement, mais pour moi, donc je suis un bourge, mais je veux dire, en même temps, il n'y a pas de lien précis. Je revendique la Suisse, il faut la revendiquer, mais à quel moment puis-je la revendiquer? Au nom du Parti Socialiste, dont je fais partie comme membre, sans militer énormément, mais bon voilà, peut-être que mes envies d'essayer de trouver une justice sociale, un équilibre en Suisse, c'est la seule chose qui pourrait me lier, mais c'est pas une racine, il n'y a pas une racine vraiment. Et donc, juste comme ça, juste pour extrapoler légèrement là-dedans, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler une identité si? Bien sûr qu'il y en a une. Mais moi, personnellement, ce n'est pas une question qu'il faut me poser. Parce qu'une identité, moi je travaille qu'en France, donc je dois à la France, je dois peut-être aussi aux gens qui estiment que je peux jouer un rôle, etc. Mais, je ne revendiquerai jamais, comme le Front National ou comme l'UDC en Suisse le revendique, pour des raisons uniquement politiques. Et en fait, quand on voit Blocher, qui est le grand chef de l'UDC, il est bourré de fric. Quand on voit M. Le Pen, qui est actuellement poursuivi pour fraude fiscale, c'est toujours des nantis qui disent au peuple, venez avec nous, mais eux sont des faux culs de première, parce que pour finir, ils n'ont rien avec leur identité suisse. Moi, je connais surtout le problème du cinéma. Et le problème du cinéma, c'est que aucun producteur n'envisage de prendre des risques. Aucun film en Suisse ne se fait que si Berne fonctionne. Donc, il y a un côté, très curieusement, il y a un côté un peu ancien système soviétique où l'État fait tout. Et il y a quelque chose de curieux, c'est que pour finir, vous allez voir un producteur, une productrice, vous dites écoute, je monte ton film si j'ai l'aide de l'État. Donc, de ce côté-là, ça stagne un peu. Je vous donne un exemple, quand Tanner a fait La Salamandre, il n'y avait pas d'aide au cinéma. Il n'y avait que d'aide pour les films qui relataient de la vie de tous les jours, mais aucune fiction. Et Tanner a imposé à Berne que les fictions soient aussi aidées. Mais en même temps, je pense qu'on manque de scénaristes en Suisse, on manque d'une école nationale, une sorte de polytechnicum du cinéma, où il y aurait tous les métiers qui seraient... Et puis il y aurait une rencontre des quatre langues, ce qui ne se fait pas. Je pense que chacun est dans son coin, jalouse la Suisse allemande, comme la Suisse allemande jalouse la Suisse romande. Il y a un problème vraiment grave de ce côté-là. Je pense que c'est ça qui fait que, tout d'un coup, moi j'ai eu la chance avec Tanner, Souter, Goretta, qui tout d'un coup, on était payé 2000 balles pour le film, mais peu importe, ils ont tout d'un coup explosé. C'est peut-être aussi le fait de mai 68 et de tout ce qui est de la culture. Et puis tout d'un coup, après ça s'est affaissé. Et aujourd'hui, il y a de très bons documentaires, comme Jean-Stéphane Bron, il a fait de très belles choses. Mais il y a un problème avec la fiction. Donc vous allez, avec vous, enfin, on va sortir de cet événement, parce que vous, vous allez avoir plein de fric des banques et des États-Unis. Donc enfin, on va sortir de cette gangue qui fait que le cinéma suisse ne respire pas. Vous avez la Belgique qui marche très fort, vous avez le Danemark surtout. Vous avez de très bons cinéastes. Mais ça vient d'où? Je pense qu'il y a des producteurs... mon fils qui représente la Suisse à l'étranger pour faire un film sur les institutions internationales, ben, il va au Danemark, parce que là-bas, il y a des producteurs qui sont venus donner une conférence aux réalisateurs suisses, parce que le Danemark fonctionne très fort, avec Varfries, etc., etc. Et vous avez vu toutes les séries,
ils sont très fortes. Je ne sais pas, il y a un véritable problème. Est-ce qu'on est englué dans une sorte de satisfaction ou d'aisance? Je ne sais pas. Il y a un vrai problème dans le cinéma suisse. Est-ce qu'il n'est pas aussi simple qu'en fait c'est les langues qui créent aussi la division? Vous avez en Belgique, vous avez le flamand et le français. Il y a autant de films français que de films flamands, non? Moi, j'ai tourné avec Delvaux, qui est décédé maintenant, qui s'appelait Belle. Et le premier film qu'il a fait, c'est L'homme au crâne rasé, qui est un chef-d'œuvre, je vous prierai de le regarder. L'homme au crâne rasé, ça sera dans la caméra, vous vous souviendrez du titre. Ben, il l'a fait en flamand. D'accord. Moi, je pense qu'il manque d'une centralisation, des rencontres entre Suisses italiens, Suisses français, Suisses allemands, pour que les choses bougent. Chacun est dans son coin, sa petite école de cinéma, et ne voit pas l'univers suisse. Excellent. Finissez ces deux phrases. Ce qui est super en Suisse, c'est ce qui est nul en Suisse, c'est. Alors, le problème en Suisse, je ne dirais pas nul, c'est vous qui me poussez à le dire, vous avez tort. Le problème, c'est que c'est presque un miracle qu'il y ait quatre langues en Suisse. C'est un miracle que les catholiques et les protestants aient enfin réussi, grâce au général Dufour, d'harmoniser leur vie. Lucerne était catholique, Zurich était protestant, c'était des batailles sans fin. Alors, le problème, c'est que on ne réunit pas les quatre langues. Bon, le romanche ne s'exprime plus, mais je veux dire, il faudrait qu'il y ait des rencontres de ces quatre pays. Zurich est jalouse de Genève, parce que Genève, c'est déjà un peu le Marseille français, comme le Marseille suisse, et puis Zurich, c'est un peu le Berlin allemand. Donc ça aussi, ça joue un rôle. Les Genevois, ils ne font jamais rien, c'est nul. Nous, les Zurichois, on a les banques, on sait, on est organisé, logique, etc. Et il faudrait abandonner cette idée pour que ces gens se réunissent. Mais ce qui peut les réunir, et moi je me bats pour ça, mais j'ai abandonné, c'est qu'il y ait une école, comme pour les physiciens, les architectes, etc. Il y a une école fédérale. Pour le commerce, à Saint-Gall, il y a une école fédérale. À Lausanne, école fédérale. Zurich, école fédérale. Cinéma, non. Non, ça c'est la culture, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Non, mais vous êtes dans un musée à Berne, à Bâle, à Zurich, vous avez une foison de grands maîtres qui ont été achetés, qui sont là. Je vous donne un exemple à Bâle. Si vous donnez vos tableaux, vous êtes très riche, vous donnez vos tableaux à Bâle, vous ne payez pas d'impôts. Enfin, en fonction du tableau. Il y a une richesse extraordinaire picturale en Suisse. Le cinéma, citez-moi un réalisateur aujourd'hui, d'aujourd'hui, contemporain. Mm-hmm. Allez, je vous écoute. Ben, moi, je connais plus ceux qui sont devenus internationaux, Mark Forster, qui habitait international, parce que c'est l'impact qu'on a. Mais moi, c'est vrai qu'il faut creuser en Suisse. J'ai fait ma carrière en France, même si c'est grâce au cinéma suisse. Mm-hmm. Mais vous êtes incapable de me citer un réalisateur qui habite la Suisse. Mm-hmm. Moi, je vous en cite trois. Bayer, Bron, et puis surtout elle, qui est pas mal, je ne sais plus son nom. Voilà, puis c'est tout, quoi. Alors, en Suisse allemande, je ne sais pas. D'abord les films Bruno suisses allemands. Enfin, mais les, non, les, c'est un acteur, lui. Les films suisses allemands marchent une semaine à Genève, les films suisses romans en Zurich marchent une semaine. Et en plus, ben, on ne va pas voir un film suisse allemand à Genève et on ne va pas voir un suisse français à Zurich. Voilà. Voilà. Il faudrait en discuter. Je suis assez attiré par tout ce que vous racontez. Maintenant, il faut développer. Mais je ne peux pas vous dire d'emblée, il faudra voir mon personnage, etc. Mais je ne vais pas déjà m'engager et vous dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Je laisse stand-by. Vivez-vous l'idée de la mort? Vivez-vous l'idée de la mort? Alors là, mon pauvre ami, la mort, y a des jours où on rêve de mourir, il y a d'autres où on rêve de rester vivant. Est-ce qu'on peut définir le suicide? C'est très difficile. Donc moi, j'ai... La mort, elle est liée à un Dieu que tout le monde... Pour les monothéistes, Dieu existe, mais Dieu, c'est un mythe.
le représentant du Christ sur le monde, ou Mohammed, etc. Ou, bon, les Juifs n'en ont pas, eux, ils ont des prophètes, mais tout ça, c'est... La mort, est, pour moi, la mort est liée à un Dieu que personne ne verra jamais. Voilà. Voilà. Non, je suis athée. J'ai été protestant, comme enfant, parce que ma famille était protestante. C'est très beau, la religion musulmane, juive, mais elle est complètement, elle a été déformée par l'homme, parce que l'homme est incapable de, et dès qu'il va mal, alors il se plonge sur le Coran, il se plonge sur l'Ancien Testament, le Nouveau pour les chrétiens, mais tout ça c'est du vent, quoi. Je veux dire, c'est une morale, même les communistes, la morale communiste était magnifique, mais elle s'est effondrée parce que l'homme ne peut pas intervenir d'une façon rigoureuse sur l'homme. Donc c'est le capitalisme, c'est le libéralisme qui gagne chaque fois, parce qu'eux n'ont pas de règles, ils n'ont qu'une règle, c'est se démerder à gagner du fric. Et c'est hélas ce qui mène le monde. Hein. On voit à quel point Hollande proposait un monde idéal communiste, et on lui dit, attends, si tu veux que ça marche, il faut que tu passes d'abord par le fric, et puis après on verra. Donc voilà, le fric, et puis après on verra. Donc voilà. Un réalisateur peut écrire un très beau scénario et être un très mauvais réalisateur. Donc, je pense que il y a quelques scénaristes qui sont devenus réalisateurs. Je vous cite Trumbo, vous n'avez pas vu bien sûr. Johnny Got His Gun, vous l'avez vu? Lequel? Johnny Got His Gun. Yeah, sure. Ben, Trumbo. Mm-hmm. Donc, je ne savais pas, c'est ça, les noms... Trumbo est un scénariste, c'est son seul film. Mm-hmm. Je pense que les scénaristes devraient tourner leur propre scénario, parce qu'ils ont un sens, ils ne font qu'écrire, tandis que le réalisateur, lui, il doit respecter l'écriture et respecter l'acteur et son interprétation. Voilà, donc c'est deux mondes, mais un réalisateur doit être très rigoureux sur la construction d'une histoire, très rigoureux sur les dialogues. C'est pas moi. Oui, c'est moi. Non, oui, c'est moi. Qui est le plus important pour vous avant de... Plus important pour vous avant de... De rencontrer le réalisateur, ce qu'elle fait, de savoir qui il est et d'essayer de discuter avec lui du scénar et du personnage et qu'il ait une qu'il soit rigoureux à un point exceptionnel et tout se passera bien. Voilà. Swiss made. I'm Jean-Luc Bidault et I'm Swiss made. Voilà.